Aujourd'hui, on est au Forum de Voreal euh, dans le Val d'Oise. Euh, on vient de faire une résidence avec donc, mon groupe qui s'appelle Perfecto. Euh, et donc, on fait un concert en streaming ce soir qui sera diffusé euh, YouTube, machin, tout ça, et qui sera normalement disponible en replay après. Euh, voilà, donc c'est la première date officielle, on va dire, du projet euh, qu'on a lancé il y a quelques temps, qui a mis un petit peu de temps à se développer. c'est la première vraie date officielle, et euh, on espère que ce soit, soit considéré comme le lancement de de l'avancée de la suite quoi. Perfecto pour le coup, donc c'est un groupe de globalement rock, hein, on peut dire ça, globalement rock, euh, un peu typé euh, années, années 60, autour des années 70 de manière générale, euh, avec comme, on amène un peu de modernité de par les sons euh, notamment au travers des claviers, euh, voilà, et c'est un projet que j'ai rejoint il y a deux ans. C'était au balbutiement du projet, puisque je connaissais Mathieu, euh, qui est guitariste dans le groupe, euh, et qui m'a proposé de rejoindre ça. Voilà Et donc, dans le groupe, il y a donc Mathieu, avec qui je joue aussi à côté dans Bukowski. Il y a Tony, euh, qui est au chant, qui est euh, l'ancien de Denouncer, de Dion de Monday, j'en passe. Euh, Ju à la basse et, et à la contrebasse et Miguel à la guitare. On a enregistré euh, l'album est euh, quasiment fini donc normalement ça devrait pas tarder à voir le jour euh, et alors sur le sur le boulot en soi ouais on a composé ensemble alors évidemment en tant que batteur forcément tu prends plus part à l'arrangement que euh, qu'au au travail si tu veux global de, 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 de création musicale harmonique notamment euh, en tout cas moi pour le coup euh, mais oui on a beaucoup enfin moi j'ai pas mal participé aussi aux arrangements et euh, notamment autour de la batterie quoi forcément sur l'album euh, en fait de base je suis parti avec deux snares euh, dont une très très détendue et une un peu plus euh, up pour avoir un peu de un peu de, de costaud euh, quand il faut euh, et puis après, euh, sur, sur le reste, euh, il ouais, y a eu pas mal de recherches de sons, mais on était dans une optique qui était très pop, en fait. Mmh. Donc, il euh, y, y avait quand même euh, cette optique où il fallait avoir un son très euh, classique, si tu veux, dans le, dans le truc. Mais euh, voilà, après, il n'y a pas eu une recherche de son euh, vraiment particulière au niveau de la drum. Ça, ça s'est plus fait autour des guitares et des claviers.